Je suis l'assistant pédérable supérieur Diango Jean-François. Je suis nommé par le pasteur mondial Emmanuel Frade Mobina Bilewu Oshufa. Et j'ai pris cette année, en avril 2017, l'onction de consécration où je me suis déchaussé. Et le pasteur a bien voulu me nommer directeur des affaires extérieures, représentant le pasteur mondial Emmanuel Bilewu Oshufa. Et notre papa a ajouté un appendice à cette nomination et m'a nommé comme chef de la région spéciale, chef de la région céleste spéciale du Côte d'Ivoire. Et cette nomination est un appendice au décret qu'il a signé pour me nommer comme son directeur des affaires extérieures. Donc, voilà ce que je peux dire succinctement sur les nouvelles nominations. Sinon, anciennement, depuis 1972, juin 72, j'ai été baptisé. Et l'Éternel a bien voulu que ma chambre accouchée dans la maison où j'étais. J'étais encore chez mon père, j'étais élève, dans la maison de fonction de mon père, se soit transformée en un sanctuaire où j'étais devenu automatiquement le conducteur de tous les cultes. Parce qu'à cette époque, on ne connaissait pas, on n'avait pas d'onction, on ne connaissait pas encore ce que c'est que l'église céleste, mais on partait à l'église et un hôtel a été dressé par mon père spirituel, le dévancier dans notre maison, et j'ai commencé à conduire les cultes-là. Et depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai été berger, donc chargé de paroisse. Ça fait à peu près 43 ans que je suis le chargé de paroisse. Je suis le chargé de la paroisse, de ma paroisse, que Dieu m'a fait bâtir à Boaké en février 1978 précisément. Et j'ai été chargé de cette paroisse de 1978 jusqu'à maintenant. Quand la crise militaro-politique nous a fait venir à Abidjan, Dieu m'a révélé le nom d'un frère en Christ, comme par hasard, qui était un fidèle de la Saint-Jean-Baptiste, qui a bien voulu me remplacer comme chargé intérimaire. Aujourd'hui, il est mon chargé de paroisse à moi, même si je ne suis pas là-bas. La paroisse fonctionne normalement. Donc, en ce qui me concerne, l'église de Saint-Céleste, voilà un peu succinctement ce que je veux dire. Maintenant, pour mon parcours, si vous voulez, j'enchaîne en même temps. Et je suis parti de Saint-Fidèle et de crise en crise. Je suis passé après que l'église se soit fractionnée dans d'autres tendances où j'ai eu le grade de vénérable suprême. Mais quand le Saint-Esprit m'a demandé d'aller me consacrer pour me déchausser définitivement et me consacrer à l'œuvre de Dieu en tant que chargé consacré, déchaussé, je précise, le 7 avril 2017, en terre sainte d'Imécon, là où se trouve la tombe de papa, chez le pasteur mondial Emmanuel Mobina Frade Bilewu Oshufa, j'ai eu vraiment l'immense honneur
n'est-ce pas, d'être nommé par papa, mais en partant, de me désacraliser aussi de tous les attributs que j'avais eu précédemment. De sorte que quand papa m'a interrogé sur le grade que j'avais, je lui ai dit que cela m'importait un peu, mais c'était la consécration qui était le plus important pour moi, et que je revenais vers lui du grade que j'avais avant la crise, c'est-à-dire le grade de supérieur évangéliste. Et c'est comme ça que le pasteur mondial, Frade Bilewu, Emmanuel Bilewu Choufa, a bien voulu me donner ce grade actuel que je porte, c'est-à-dire assistant, vénérable, supérieur, évangéliste. Donc, parce que vous savez, adorer Dieu, c'est un problème de conviction personnelle, de foi et de conviction. Ce n'est pas un problème de repentance. J'ai été logique simplement envers moi-même. Lorsque le Saint-Esprit vous parle clairement et vous dit d'aller prendre l'onction de consécration en terre sainte d'Imécon, alors que vous n'y êtes pas, cela signifie en clair, si vous comprenez ce que Dieu veut vous dire, de vous conformer aux lois et aux règlements qui régissent la sphère mondiale que dirige le pasteur Mobina et Emmanuel Mobina Bilewu Choufa. Parce que, imaginez-vous que je vienne chez le pasteur pour dire, le Saint-Esprit m'a dit de venir me consacrer et que j'avais tel grade, mais je n'ai pas l'intention, si tu me consacres, de laisser ce grade. Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Dans la logique, ça n'a pas de sens. Spirituellement, ça n'a pas de sens. Et puis, prenons scientifiquement la situation. C'est comme si on vous donne une équation à résoudre et vous prenez, n'est-ce pas, d'autres données pour pouvoir donner avoir un résultat. C'est faux. C'est faux. Quand on vous corrigera, on va vous dire, vous avez peut-être trouvé le résultat. Mais ce qui vous a mené à ce résultat, tel que vous avez mené l'équation, c'est faux. Donc j'ai voulu être honnête avec moi-même, franc avec moi-même. C'est une question de logique, c'est une question de franchise. Je me suis dit, si le Saint-Esprit alors me pousse vers la terre sainte de Mécon, je ne peux pas à la fois dire que je m'en vais prendre l'huile de consécration en terre sainte de Mécon et puis garder les grades de la sphère où j'étais, à moins que ces grades-là soient les mêmes exactement et soient équivalents. Si c'est les mêmes et qu'ils soient équivalents, en ce moment, le pasteur qui m'aurait moins précédemment ne l'aurait pas fait puisque lui me serait sur la terre sainte de Mécon. Ça veut dire que si c'est les grades s'équivalaient, ça veut dire que le pasteur qui m'a moins serait lui-même de Mécon. Donc comment un homme de Mécon, sachant qu'il y a un pasteur mondial, peut me moins? Non. Donc je voulais être logique avec moi-même. En venant, je me suis, non seulement j'ai rendu démission de tous les postes qui m'étaient favorables, d'où j'étais parti, mais je me suis désacralisé des titres sacerdotaux que j'avais acquis. De toutes les façons, j'ai dit au pasteur que je n'avais plus de grade à prendre après 45 ans d'église chrétienne céleste. Et j'ai commencé à avoir l'onction 6 ans après que je suis rentré dans l'église chrétienne céleste. Si on fait 45 moins 6 ans, ça veut dire 39 ans de prise d'onction, je n'avais plus rien à prendre. En réalité, je n'avais plus rien à prendre. Donc, c'était tout simplement être logique avec moi-même. Deuxièmement, il fallait une bonne dose de courage et d'humilité. Parce que des gens auraient bien voulu venir prendre l'onction de consécration chez le pasteur, mais à condition qu'il leur fasse une faveur de leur donner le grade d'un certain rang pour qu'ils gardent un prestige et gardent un certain pouvoir. Quand vous êtes serviteur de Dieu, quand Jésus vous appelle pour faire son travail, il n'y a pas d'échange possible, il n'y a pas d'exigence possible. Il est le maître de l'univers, il fait ce qu'il veut, comme il veut, au moment où il veut. En Romains 9:9, il dit,
j'ai haï Esaïe et j'ai aimé Jacob. Et il pose la question, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Avant que les enfants ne fussent nés, alors qu'ils étaient simplement fœtus dans le ventre de leur mère, les jumeaux, la parole s'adresse à Rebecca et lui dit, j'ai haï Esaïe et j'ai aimé Jacob. Et que l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est-à-dire, l'aîné va servir le plus jeune, donc sera le boy du plus jeune en quelque sorte. Pour employer un mot fort, sera l'esclave ou le boy du plus jeune. Alors en conséquence, vous comprenez très bien que si nous jugeons le Dieu qui parle alors que nous voulons l'adorer, c'est inutile. Moi quand je viens, j'ai dit au pasteur, même si je suis déotant, pourvu que je sois consacré, je venais pour me consacrer, pour tout ce que Dieu avait fait pour moi, pour lui donner en don le reste de ma vie. Et croyez-moi, depuis que je me suis consacré, je me sens à l'aise, je suis très heureux et je suis en joie. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème de repentance, non. Puisque les grades que j'ai acquis, d'ailleurs, pour votre information, je ne les ai jamais demandés. Je n'ai jamais couru après ces grades. Depuis que je suis rentré en Jésus-Christ, je n'ai jamais postulé pour un poste quelconque ni pour un grade quelconque. Tout m'a été donné directement, d'une manière miraculeuse, parce que peut-être on m'a jugé compétent, peut-être parce qu'on m'a trouvé bon pour pouvoir assumer telle ou telle fonction, mais jamais je n'ai demandé ni d'onction pour un grade quelconque, ni un poste pour pouvoir avoir de la valeur, encore moins servir mes intérêts. Non, il y a un motif qui me guide, c'est de faire exactement ce que Dieu dit. Pourquoi? Ce que Jésus m'envoie faire, c'est de faire ça exactement. Parce que je veux sauver mon âme. Quand le Seigneur vous dit de faire quelque chose, faites-le tout simplement, c'est pour le bien, votre propre bien, c'est pour le bien de votre âme. Je veux sauver mon âme, je veux être moi aussi parmi les rachetés. En ce qui me concerne, ça ne touche pas ma foi. Que je sois gradé ou rétrogradé, ça ne touche pas ma foi. Mais s'il aspire à s'aligner derrière le pasteur, ce n'est pas pour la personne du pasteur Bobina qu'il s'aligne. C'est pour exécuter ce que Jésus-Christ, le Seigneur et le Maître du monde et de toute la création, de tout l'univers, leur demande. S'ils s'alignent, ils savent pourquoi ils se sont alignés. S'ils s'alignent en aspirant des postes, s'ils s'alignent parce qu'ils pensent à un intérêt quelconque, parce qu'ils se disent là, ils veulent avoir de l'importance. C'est une erreur. Voyez-vous, le Seigneur dit que le royaume des cieux ressemble à un grand propriétaire de champs qui a embauché des gens très tôt le matin pour travailler dans ses champs. Il a embauché d'autres à midi. Il a embauché d'autres à la tombée même de la nuit parce qu'il restait encore un peu de travail. Et puis, au moment de recevoir les salaires, ils ont reçu tous le même salaire. Alors, où est l'importance d'être gradé ou rétrogradé lorsqu'on travaille pour Jésus-Christ? Je n'en vois pas. Moi, je crois. Je crois en ce que l'Esprit dit et je crois aux Saintes Écritures. Je crois en ce que les Saintes Écritures nous rapportent à propos des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois en cette affirmation de façon absolue. C'est pourquoi tout ce que Dieu me dira d'être et de faire, je le fais sans réfléchir. D'ailleurs, quand vous prêtez le serment, les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 sont clairs et formels. Tu ne peux même pas demander un centime de plus si même tu en avais besoin. C'est ce qu'on te donne que tu acceptes. Ce qu'on te dit de faire que tu fais. Là où on t'envoie, c'est là que tu parles. Ça concorde exactement au principe de la foi de Jésus. Veut que lorsqu'il appelle un serviteur, il fasse exactement ce qu'il lui demande. L'onction que nous recevons, il y a l'onction de la laïcité qui fait qu'on prête la prêtrise à des individus qui ne respectent pas toutes les règles afférentes à la consécration elle-même. Il y a des individus qui sont déchaussés. Ce sont eux qu'on appelle dans le Christ céleste les consacrés. Parce qu'ils ne portent pas de chaussures, que ce soit dans la neige, dans le grand froid, que ce soit dans le désert, dans la grande chaleur.
que ce soit sur un champ d'épines, ou si ce soit un boulevard lisse, confortable, ils n'ont plus droit aux chaussures. C'est un principe sacro-saint qui régit le prêtre du Christianisme céleste en tant que tel. Le pasteur Geoffroy nous l'a dit. Mais entre la volonté de Dieu et la volonté permissive de Dieu, il y a une différence. Et j'ai eu l'extrême grâce de vivre ces deux moments. Quand l'Éternel m'a appelé, je n'étais pas consacré du coup. J'ai voulu le faire par deux fois. Et par deux fois, et je le dis ici devant cette caméra, devant vous, deux fois le Seigneur a envoyé les visionnaires et me dit que ce n'était pas le moment. Pour une raison simple. C'est que quand arrivé au niveau du baccalauréat, il m'a dit qu'il m'a pris pour pouvoir, n'est-ce pas, garder ses brebis au pâturage, donc d'être berger. J'ai dit, bon, au lieu de perdre mon temps, à 21, 22 ans, c'était mieux se déchausser, définitivement, et puis faire l'œuvre. C'est ce que j'ai fait. J'ai distribué tous mes habits à des œuvres de bienfaisance, et puis j'ai gardé que mes deux soutanes. Et à mon grand étonnement, à 8 heures du matin, il envoie le chef, mon chef de visionnaire pour me dire que de me réchausser, que ce n'est pas le moment. J'ai été d'abord stupéfié. Il n'a pas dit stupéfait, il a dit stupéfié, il a eu peur. J'étais complètement... Je lui ai dit non, ça ne se fait pas. Si je dois être berger, je ne peux plus porter les chaussures. Il dit non, ce n'est pas le moment. Et il m'a dit que l'Éternel t'a réservé un concours dans lequel tu seras admis, tu vas travailler en étant berger. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit quoi? Il dit, le concours des enseignants. Je ne sais pas, tu passes le concours des enseignants du primaire sans étudier et de façon miraculeuse. Pendant que nous composons, on était seulement 7 dans notre salle. Le surveillant général du groupe où nous étions en train de composer vient avec une tonne de documents sous ses aisselles, il dépose. Il dit, vous n'êtes que 7 ici? On a dit oui. Il dit, déposez vos micros. Prenez ces feuilles, c'est les réponses aux examens. Écrivez et sortez pour que vous soyez admis. Il m'avait prédit ça. Et comment ça s'est passé? Quand j'ai enseigné pendant 15 années, à l'époque c'était les 30 ans, je pouvais toucher la pension professionnelle, j'ai réécrit encore ma démission pour toujours me consacrer. Le même visionnaire et 5 autres me disent pas le moment. Nous étions 200 sur la liste. On convoque mon patron, l'inspecteur de la circonscription d'Air France 1 à moi. On lui dit, ce monsieur-là, c'est qui? Il dit, c'est Django Jean-François. Que fait-il? Il dit, non, c'est un de mes amitiés, c'est un de mes instituteurs. On dit, mais pourquoi veut-il rendre sa démission pour pouvoir avoir une pension proportionnelle? Il dit, ah, peut-être qu'il va aller s'occuper des affaires de Dieu, c'est un prêtre. Il dit, oui, on en a entendu parler. Dis-lui qu'ils sont 200 sur la liste. Pour les 199 où nous acceptons, on a validé. Mais pour lui, non, on n'accepte pas. Même s'il ne travaille pas, qu'il aille se reposer à l'école, même dans un bureau, on le payera jusqu'à la fin de son boulot normal, c'est-à-dire jusqu'à ma retraite. Ça fait deux. Donc j'ai été berger tout en travaillant. Et le même visionnaire en 2001 m'a dit, en me montrant des signes très clairs, quand le moment sera venu, tu vas te consacrer. Et en partant te consacrer, quelque chose de si grand va t'arriver que ça va dépasser ton entendement. Il m'a dit un certain nombre de choses que j'ai exécutées avec précision. Et puis, il m'a dit, vous allez partir chez Ediemou Blaise Jacob pour pouvoir créer cette unification. Mais il a dit, en ce moment, je n'étais pas chez la tendance du pasteur Ediemou. Il n'était pas encore pasteur. Au moins, il me promettait toutes ses prédictions. C'est après que tout cela a été, tel qu'il m'a dit les choses, ça a été. Il m'a dit, tu iras contre ta volonté, ça a été ainsi, je suis parti. Quand le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, après cette révélation, l'Éternel me reprendra dans 2 ans. Il m'a fait la révélation en 2001, en 2002 il est décédé. Quand j'ai vu ceci, alors j'ai commencé à lire exactement dans la vision des signes des temps. C'est-à-dire, à chaque époque, lorsque tout ce qu'il m'avait prédit arrivait, je me mettais alors à méditer sérieusement, c'est ce qu'il m'avait dit. Et il m'a dit, vers ta retraite, tu prendras, tu te déchausseras sans problème. Et c'est ce qui s'est passé. Vers ma retraite, le Saint-Esprit m'a animé. C'est comme si mon cœur était la braise. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai mal au cœur, j'ai des malaises.
Et la nuit, je dors, on me dit, c'est le temps, tu vas te consacrer. Je réveille ma femme, elle dit, ah, on m'a dit que je vais me consacrer, on dirait que mon père est dans la braise. Et ma femme s'est exclamée, ah, mon Dieu, merci, le temps est arrivé, le temps est arrivé. Parce que mon épouse aussi, que j'avais pris très jeune à l'âge de 20 ans, ça fait 33 ans de mariage légal et 41 années de vie conjugale, de vie en commun. Mon épouse me dit comme ça, enfin, le temps est arrivé, je sais que ça y est, c'est le moment. Et par la grâce de Dieu, effectivement, c'était le moment. Et quand je suis parti, spontanément, quand je suis parti me consacrer chez papa, je dis bien spontanément, papa a décidé de me nommer directeur des affaires extérieures. Je n'ai jamais entendu ce titre. En Christ, c'est la première fois. Inspecteur général et coordinateur de tous les pays. Moi, je n'ai jamais entendu cela. Donc, je me suis souvenu de ce que le visionnaire m'avait dit. Donc, voici un peu, si vous voulez, ce qui s'est passé. Si je devais m'assimiler à un personnage biblique, ce serait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait été celui qui avait été annoncé par les prophètes. Et le Christ dit de lui, né de femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. De la bouche du Christ, pour que celui sorte, alors que lui-même il est né d'une femme, il dit d'homme né de femme. Il dit, mais lui alors? Ah, il faudrait bien m'écouter. Ça m'a intrigué. Ce qui signifie que lorsque vous comprenez le problème spirituellement, si on devait donner un grade parmi nous là, qui serait plus grand que Jean-Baptiste? Personne. Mais c'est le Christ qui lui donne ce grade. Il lui dit lui-même sa bouche. Et il dit c'est l'Élie qui devait venir. Jean lui-même, quand on lui demande qui es-tu, il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur. Or, une voix se fait entendre, une voix ne se fait pas voir. Lorsque le prédicateur est un orateur talentueux, qu'on applaudit à tout rompre, parce qu'il débite la parole d'une manière magistrale, même quand il se trompe, parce qu'il est tellement fort et tellement habile, on ne se rend pas compte et qu'on l'applaudit. Et que lui-même, il trouve une auto-satisfaction dans cet applaudissement, c'est une erreur. Car la parole se fait entendre, ne se fait pas voir. Un prédicateur n'a pas besoin de se faire voir. C'est pour ça que Jean-Baptiste n'était que vêtu de peau, de chameau, et que sa nourriture, c'était des sauterelles et guigmes, ce ne sont de miel. Sans plus. Pourtant, un homme aussi pauvrement vêtu, vivant dans les alentours, n'est-ce pas, de la mer de Galilée, et partant manger des sauterelles, Jésus dit, d'homme né de femme, il n'y a pas de plus grand que lui. Mais qu'est-ce qui le hisse à ce niveau-là? Qu'est-ce qui lui donne cette performance? Qu'est-ce qui lui donne cette considération vis-à-vis du maître de l'univers? Tout simplement parce que lorsque Jean-Baptiste a su que c'était Jésus qui devait délivrer le monde, animé du Saint-Esprit, il a d'abord présenté comme lui. Il ne peut pas d'abord desserrer la courroie de ses sandales, c'est-à-dire desserrer les lacets de ses chaussures. Il est indigne, il est indigne. Ces chaussures qui traînent dans la poussière, si Christ traînait les chaussures, il est même indigne pour dire, j'ai desserré tes chaussures pour dire, j'ai lavé tes pieds. Un. Deuxièmement, Jean-Baptiste lui a dit, c'est toi qui dois me baptiser, si tu veux te faire baptiser par moi. Et le Christ répond, pour l'heure, faisons ce qui est juste. Et en troisième lieu, lorsqu'il le baptise, le Père atteste effectivement que le Christ est son fils bien-aimé en qui il a mis sa complaisance. Toute sa complaisance. C'est extraordinaire. Ça veut dire que si par extraordinaire, le Christ voulait quelque chose que même le Père ne voulait pas, par complaisance, lui aurait donné. Donc, le Seigneur Jésus-Christ avait la disposition totale du royaume des cieux en sa faveur. Mais il dit de Jean-Baptiste que c'est le plus grand. Au moment où il sort de l'eau du Jourdain, qu'il commence à travailler, Jean-Baptiste dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Un homme de Dieu qui a compris ce que c'est que la mission christique et a compris qui est le Seigneur Jésus-Christ, fait tout pour que les œuvres du Seigneur croissent. Sans s'occuper de lui ni de ses intérêts. Il a dit d'ailleurs à Jean,
Celui qui veut me suivre, s'il ne porte pas sa croix et ne se renie pas sur lui-même, s'il considère son père et sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Donc Jean dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. À partir de cet instant, Jean avait pris la résolution de faire même de sa vie quelque chose d'insignifiant. Si à cause de cette œuvre, il devait mourir pour Christ, il était prêt. Et Jésus va dire plus tard que c'est le plus petit d'entre vous qui sera le plus grand de l'homme des cieux. Lorsque Jean-Baptiste dit qu'il faut qu'il diminue pour être davantage plus petit, pourquoi dans la bouche du Christ vous ne voulez pas qu'il soit le plus grand de l'homme des cieux? Je voudrais que dans cette œuvre je diminue pour que les œuvres du Seigneur croissent. C'est pour cela que je m'identifie au personnage. Deuxièmement, lorsqu'il parle, lorsqu'il prêche, lorsqu'il fait comprendre les choses d'en haut, c'est-à-dire du royaume, à ses congénères, les hommes de la terre, il dit qu'il n'est qu'une simple voix. Donc, il ne se présente sur aucune apparence extérieure même pour être considéré. Si ce n'est laisser la considération de cette parole travailler les âmes, les restaurer, les régénérer, les sauver et leur donner un avenir et une vision prodigieuse de l'adoration de Dieu pour qu'ils soient dignes et avoir le mérite d'avoir le nom de Dieu. Ça, c'est très important. Et moi, je voudrais cela. Je ne voudrais même pas qu'on me regarde. Je voudrais simplement que c'est cette parole-là qu'on écoute et qu'on change, qu'on soit touché, qu'on soit restauré, qu'on soit touché, qu'on soit sauvé, qu'on soit touché et qu'on soit libéré du joug de Satan. Le Christ, lorsqu'une femme s'est exclamée à propos de lui par les merveilles, les miracles et les paroles qu'il distillait pour pouvoir restaurer les âmes, a dit « Heureux le sein maternel qui t'a porté ». Il a regardé la dame pour lui dire « Au contraire, heureux les oreilles qui entendent ces paroles et les mettent en pratique ». Une voix se fait entendre, une voix ne se fait pas voir. Je veux être Jean-Baptiste. J'étais catholique. Dès l'âge de 16 ans où le Seigneur avait mis sa main sur moi pour être au Trident Céleste, j'ai tout de suite vu la différence. Au catholicisme, nous mettons sur notre tentier pour aller à l'église. Pour aller devant le Seigneur, on se paraît, on s'habillait. C'est bon, c'est vrai. Il faut être élégamment habillé. On ne va pas aller à Naïon, non. Il faut être dit, il faut être propre. Nous n'allons pas à boire de nuit, nous ne savons pas danser. Nos seules manières de frimer, comme on le dit, c'était d'aller à l'église. Donc ça nous plaisait que les dimanches arrivaient parce que nous étions sur notre entier pour aller à l'église. Je rentre dans une église où tout le monde est paré de la même manière. Ce que vous portez, ce n'est pas une soutane, c'est une robe. Donc vous portez des robes. C'est à partir d'évangélistes qu'on porte la soutane. Vous voyez la couture de l'évangéliste avec les trois croix et machin et sa couture. Mais vous portez des robes. Vous portez des robes blanches et tout le monde est logé à la même enseigne. Que vous soyez beau, laid, grand, court, tout le monde est logé à la même enseigne. J'ai tout de suite compris que pour adorer Dieu, on n'avait pas besoin d'apparence extérieure. Mais ce qui me semblait étrange, même dans cette église, comment certains de mes congénères veulent quand même se faire voir, ce sont des choses du monde. La vision inaugurale du prophète avant les œuvres, avant de commencer les œuvres, au moment où dans la forêt il entend louli, 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 est significative. Cette vision inaugurale nous apprend trois choses. Lorsqu'il voit le singe, le serpent et le paon, prenons la partie du paon, qui est cet oiseau. Lorsqu'il se gonfle, c'est l'orgueil. Multicolore, il cherche toutes sortes de choses emphatiques. Puissance, force, argent, monnaie, gloire, et comment dirais-je, popularité, surnom, renommée. Le bec est crochu comme l'aigle et à ses pattes jaunes, c'est assorti de serre. C'est un oiseau, donc lorsqu'il saisit sa proie, il ne la lâche pas. Et si la proie veut se dégager, elle ne peut que se déchirer, donc il la tue. Dieu dit, c'est ce que le prophète m'explique, Dieu dit au prophète, ce sont des choses qui sont dans le monde, mais qui sont aussi dans l'église. Alors je demande au prophète, dans l'église, il dit oui. Il dit, mais pourquoi dans l'église, alors que l'église est sainte, tout et tout et tout. Il dit, mais cette église sainte-là,
les hommes qu'elle doit convertir, ils viennent d'où? Du monde. Lorsqu'ils viennent du monde avec leur manière d'être, pourquoi tu veux que dans l'église ils changent brusquement? Donc c'est dans l'église que tu vas voir ces choses et que tu seras obligé de les combattre. J'ai compris plus tard que c'était normal à tous les niveaux, du plus petit fidèle jusqu'au soi-disant différents pasteurs. C'était normal que des gens aient des sentiments humains plus ou moins pour servir leurs intérêts ou ce qu'ils désirent. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Je n'ai pas compris comment dans une église où il y a la révélation, une église de révélation, une église qui est révélée et qui est de révélation, c'est-à-dire dans laquelle viennent plusieurs révélations pour pouvoir avertir ses congénères, nous n'apprenons pas à écouter suffisamment le Saint-Esprit. Mais c'est tout simplement que nous avons des sentiments humains, nous avons des intérêts, des ambitions personnelles. Et qu'il y a des moments où les révélations sont en nette contradiction avec notre vision, nos sentiments. C'est clair. Dans un passage biblique, il dit à Pierre, à 10-10, tu y manges. Pierre lui dit, mais je suis consacré, je suis juif. Je n'ai jamais mangé de tout ce que voilà. Qu'est-ce qu'il voit sur la toile? Des serpents, toutes sortes de choses. Dieu lui dit, tu y manges. Il dit, mais Seigneur, ma bouche n'a rien, jamais de rien touché de souillé. Alors, il entend la voix qui lui dit, ce que moi je déclare, Saint, tu le déclares souillé. Quand j'ai posé la question au prophète, comment des gens osent penser comme ça? Il dit, mais ce que Dieu déclare, ce n'est pas déclaré souillé. Il faut qu'il fasse venir ces gens-là pour que ces gens comprennent qu'ils doivent être restaurés. Donc notre but, c'est que les enfants du Seigneur Céleste comprennent que ce à quoi nous courons, ce à quoi nous aspirons, c'est de sauver nos âmes pour appartenir au royaume céleste que le Seigneur bâtit pour tous ceux qu'il s'est choisis. Pour que nous fassions partie de cette nouvelle Jérusalem-là. Celle qui est l'épouse du Christ. Au départ, il y avait Adam seul, on lui a donné une épouse. Le second Adam, lui aussi doit avoir une épouse. Il attend son épouse. Si son épouse doit être parfaite, elle doit être sainte, sans ride, ni tache. Nous voulons participer à cet avènement pour que nous aussi soyons l'épouse du Christ. C'est pourquoi il n'y a pas eu de déclic chez moi, honnêtement. J'ai tout de suite compris que il fallait réellement enlever tout ce qui est du monde pour appartenir à Jésus-Christ. Vous pouvez être directeur et PDG d'une société et puis appartenir humblement à Jésus-Christ, cet homme. Si je viens là, je me suis fait laver cette année le pied au kilomètre 55 avec le pasteur Mobina. Le gouverneur d'Abiyakuta marchait à mes côtés en simple habit de simple fidèle, que tout le monde saluait comme un individu de la rue. Alors que dès qu'il est dans ses bureaux, c'est une audience qui fait qu'on voit ce monsieur. J'ai vu des médecins, des avocats, j'ai vu des directeurs de société, tous les saints pour n'être que des saints consacrés parce que Dieu les a appelés. Alors je me suis rendu compte que moi je n'ai rien fait, il m'a laissé aller jusqu'à ma retraite. C'est un privilège. J'ai compris aussi que lorsqu'il m'appelle pour l'adorer, c'est un privilège. Et adorer Christ, c'est un véritable privilège. Si nous sommes 7 milliards d'hommes sur la terre, qui me choisit aussi pour l'adorer, croyez-moi, c'est un privilège. Alors, je ne peux que l'honorer. Donc, il n'y a pas eu de déclic en réalité, ni un problème au moment d'humilité. Au contraire, je trouve que je ne suis pas suffisamment humble. Je trouve que ce n'est pas encore suffisant l'humilité que je dois afficher. Quand les gens disent, mais il s'est déshabillé de ses grades, tout. Non! Je ne me suis pas déshabillé d'un grade. J'ai fait exactement ce que mon maître me demande, Jésus-Christ. C'est tout. Ou bien, il est mon maître, ce qu'il dit de faire, je fais. Ou bien, il n'est pas mon maître, alors ce qu'il me dit de faire, je ne le fais pas, je le modifie à ma manière. Alors j'aurais trompé les enfants de Dieu. La première qualité, c'est l'humilité. C'est la première des qualités. Il faut être très humble. Parce que vous ne savez jamais qui Christ envoie devant vous. J'ai vécu cette expérience maître. Et maître, je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais échoué pour la première fois mon baccalauréat, je l'ai repris en candidat libre. Le soir, alors
Parce que, en Canada, donc, nous faisons les cours de l'UNESCO, c'est-à-dire les cours du jour finissent, les établissements s'en vont, vagues. Et puis maintenant, nous, les enfants du cours du soir, nous partons maintenant pour occuper les classes la nuit pour pouvoir commencer à faire nos cours. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons commencé de 18h à 21h chaque jour. Un soir, alors que nous étions en train d'attendre que tous les cours finissent pour vaquer, nous sommes rendus compte qu'il y avait deux puisatiers qui passaient par là. Ils étaient tout rouges de terre. On sentait que c'était des gens qui avaient travaillé toute la journée, qui n'avaient pas mangé. Creuser un puits dans une terre au centre aride pour trouver de l'eau en profondeur, ce n'est pas une chose mince. Ce n'est pas une chose facile. Nous étions au bord d'une dame qui grillait des lignes et puis des bananes. Donc, elle faisait de la loco et elle faisait frire des ignames. Et il y avait des tas de poissons. Le monsieur vient, il avait très faim, il demande à la dame qu'il veut manger. Pour 200 francs, toute la journée. La dame lui sort pour 200 francs, 4 petits morceaux de tiges d'ignames taillées et frites. Et j'entends le monsieur soupirer. Pour 200 francs, c'est ça seulement, 4 morceaux. Elle dit, ah, c'est ça, ça apprend, on va laisser vacant. Et l'affaire de la dame marchait. Les gens payaient en bagarre, d'autres payaient pour 500, d'autres payaient pour 600, d'autres payaient pour 1000 francs. Nous étions là au bord. L'autre puisatier a dit, toute la journée, le propriétaire du puits, là, nous a donné 200 francs chacun pour pouvoir prendre un taxi. C'est parce qu'on n'a pas d'argent, on veut manger, qu'on a marché sur 7 km pour arriver ici. Et on doit continuer encore, puisqu'ils n'habitaient pas là. Là, ils étaient en pleine ville. Ils devaient encore continuer à la périphérie pour pouvoir aller dans certains baraquements là-bas pour pouvoir peut-être loger. C'est-à-dire qu'il y avait encore 3 km à parcourir. Nous, ça fait 10 km. Viens, on va partir. On va aller voir la femme du quartier qui vend, n'est-ce pas, soupe que nous avons l'habitude de prendre, la même soupe. Dès qu'ils ont fait 2 pas, j'ai crié, monsieur, monsieur, arrêtez. Il dit à la dame, ça fait combien tout le tas d'ignames qui est dans ta cuvette? Elle compte, elle dit, ça fait 1500. J'ai dit, est-ce que tu peux mettre 2 morceaux de poisson milieu ou bien queue? Elle met un milieu et puis une queue. J'ai dit, compte le tout. Elle dit, ça fait 2500. J'ai dit, monsieur, il dit, mangez tout cela. Il a donné les 2500 francs à la dame. J'étais élève. Parce que j'avais du chagrin de voir des gens qui avaient travaillé et qui soupiraient auprès de la nourriture et qui n'allaient pas manger ce jour-là. Le monsieur a failli me dire, il dit, ah, si j'avais su ça tôt, il allait prendre au moins la moitié de l'argent pour que demain, je vienne encore manger. Il a dit, non, mangez tout, c'est pas grave. Nous, on est ici toujours. Si vous passez, vous allez nous voir. Alors, on a servi, ils ont mangé. Et le reste, ils ont servi pour emporter chez eux. Pour moi, c'était un geste normal, c'était une charité, c'était un truc à l'honneur. Le soir, nous nous couchions. Nous sommes partis, on a étudié, on a fini, tout le monde s'est endormi. Moi, j'étais, je vous ai dit, ma chambre était en même temps la chapelle. Alors, j'entends des portes craquer. Mais qui ferme les portes avec fracas? Et je rentre, et qu'est-ce que je vois? Tout le monde dort. Au moment où je vais revenir au sanctuaire, j'entends une voix grosse et suave. Ils me prennent pour leur gardien de service. Ils me prennent pour ça, à répétition. Ils me prennent pour leur gardien de service. Je vais, je ne vois personne. Je me couche, je m'étends, je vois le Christ. J'étais couché là. C'est comme si j'étais élevé, puis je le vois. Il dit, dis à tes petits frères de surveiller les portes. J'ai entendu les portes craquer. Ils se sont endormis, ils ont laissé les battants ouverts. Il y a des voleurs qui sont en train de circuler dans le quartier. Demain, vous allez entendre qu'on a dévalisé 2 ou 3 maisons autour de vous. Mais j'ai déjà posté des anges. Ils vont voir ces anges, ils vont croire que c'est des hommes, que vous ne dormez pas. Donc, ils vont dépasser la maison. Alors, dites-leur de faire attention. Dis-leur de faire attention. Alors, je me lève, je vais au salon. Je vais au salon. Je vois une musulmane qui était de passage et qui a commencé à prier avec nous. Et le Saint-Esprit, elle a reçu le Saint-Esprit. J'ai dit à la musulmane, mais vous, vous dormez comme ça, vous ne fermez pas les portes. Le Christ m'est apparu pour dire que vous n'avez pas fermé les portes. Elle dit, hey, papa, pardon.
C'est vrai. Moi-même, je me suis endormi avant tout le monde, mais c'est les autres frères-là qui n'ont pas fermé les portes. Je dis, ah non, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, le Christ est venu, il s'est allé ici, il est venu me voir aussi. J'ai dit, ah bon? Il est venu te voir aussi? J'ai dit, oui. Il dit, pourquoi? Il dit, il m'a dit la même chose, qu'il devait fermer les portes. Mais il m'a dit, pourquoi exactement il est venu nous rendre visibles pour fermer les portes? En venant, il savait que les portes n'étaient pas fermées déjà. Il les a fermées pour nous. Mais, en ce qui concerne sa venue, ça a une signification particulière. C'est la musulmane et moi qui prenons les cours d'histoire. C'est nous deux qui avons donné la nourriture à ces messieurs-là. Et il dit, je suis venu vous apparaître pour vous bénir parce que vous m'aviez donné à manger aujourd'hui. M'a mangé. Mais où on t'a vu pour te donner à manger? Les deux puisatiers que vous avez vus là, c'était moi accompagné de l'ange. Tous ceux qui étaient avec de l'argent, et c'est vous qui m'avez donné à manger. Retenez ceci. Soyez charitable et ne regardez pas les hommes à l'apparence. Le temps de voir l'individu, il a disparu, il est passé par le plafond qui s'est ouvert en lumière. Vous comprenez que nous n'avons pas de choix quand il s'agit réellement de l'humilité dont nous parlons. On a compris ça très tôt. Au moment où je vous parlais, peut-être j'étais leader. J'étais leader en ce moment-là, je crois. Ce moment-là. Ça a été une leçon pour moi. Donc, en réalité, le déclic d'être humble et de chercher toujours l'humilité dans cette œuvre-là, je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est cela. La deuxième des choses, la deuxième qualité, c'est que en adorant Dieu, il faut être ferme dans la foi. La foi doit être constante. Elle doit être ferme, sans ambiguïté. Il faut être ferme. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, le plus grand nombre peut être contre vous. Mais si réellement en vous, en votre conviction profonde, vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de faire en Dieu est juste. Non, non. Surtout si Dieu vous a parlé, il vous a dit, il y aura tel événement, faites-le. Même si le plus grand nombre contre vous, faites-le. Parce que certainement Dieu va agir. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 10, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Si vous faites toujours ce que Dieu vous dit, il se donne le droit de se révéler à vous pour vous dire c'est pour que c'est vous avez fait. Et que c'est parce que c'est lui qui vous envoie. S'il ne vous a pas envoyé, vous dira rien. Si vous envoyez, il va se faire fort le devoir de toujours vous parler. Et vous révéler que vous avez raison.